Il y en a encore plein. Bienvenue dans cette nouvelle série. J'ai envoyé la salle et une mine en mission. Leur but, refaire leur vie avec zéro dollar en poche. Salut à tous, c'est Lune et donc on est dans l'épisode 4 de Jouer à GTA 5 avec 0$. Donc voilà, les dimanches, c'est tous les dimanches, vous savez qu'il y a un épisode de Jouer à GTA 5 avec 0$. Alors, donc, où on était la dernière fois, donc la salle, il te reste plus que 10 100$. Ce qui Tout est à pas fait. mal. Et moi, il me reste 14 660$. Donc on s'était dit qu'on allait acheter notre premier véhicule. Tu sais, parce que bon, on va dire que c'est un peu la... C'est un peu la crise. Déjà, je vais sortir mon véhicule pour commencer, je pense. Tu vois, parce que pour faire les... Tu sais, pour que ça soit accessible directement aux missions. Et on va faire une mission qui va te rappeler des souvenirs. Parce que là, depuis le temps, on en a fait des missions. Et je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent, ouais, les anciennes missions, ça rappelle des souvenirs, etc. C'est vrai que c'était les missions de l'époque où on allait livrer de la cocaïne, etc. Du coup, là, on va faire une mission, justement, de l'époque. Et ensuite, on va aller acheter notre premier véhicule. Parce que celui-ci, je sais pas si tu te souviens, mais on l'avait volé. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pas bien. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite pour la mission. Et ensuite, on ira acheter notre véhicule, on ira le custom. Et après, je vous dis pas, mais pour l'épisode 5, il y aura pas mal de choses. Ouais, c'est parti. Eh bien, c'est parti, la salle. Du coup, on est pour la mission. Donc, c'est. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est l'émission de Gérald. Les toutes premières missions qu'on Ouais. a faites du jeu. Bon, du coup, la salle, je crois que c'est la police a vu que t'as volé un véhicule, hein. Ils te l'ont perquis du garage ou quoi? Ouais, c'est ça. Donc, elle a la place de Roger. Ah, Roger le. C'était quoi la salle? Roger le quoi? Roger le gros bébert? Non, je sais plus c'était qui. Non, c'était non, Albert. Albert le gros bébert, effectivement. Alors, elle a la case. Donc, Roger. je te le dis déjà, fais attention parce que c'est les ballasts. Et les ballasts, je sais très bien comment ils sont chauds. Enui n'est un pilote, mais... Vas-y, la Casa del Roger. Ah ouais, une pilote confirmée. 2019. Ok, fais attention. Bah, on se garde devant. Wow, je propose. Ouh, fais attention. Je propose de se garer ici, hein. T'es chaud de pas passer par derrière ou quoi? Par derrière, Vas-y, mais tu sais quoi, non. passe par devant, je passe par derrière. Ok. Attends, est-ce qu'il y a moyen de passer par derrière? Attends, fais pas n'importe quoi. N'oublie pas que t'as que le petit gun. Hein. Ouais, j'attends. Voler la côte. Je peux pas venir par derrière la salle. Bah, viens devant. Je vais essayer comme ça, mais je pense pas que ça va être possible. Non, ok. J'arrive, hein. J'arrive par devant du coup. Je voulais tenter une technique, tu vois, parce que je sais qu'à l'époque on tentait des techniques et tout. Et c'est dommage. Non, viens devant. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a beaucoup qui disaient que grâce à la série, ils apprenaient, bah, parce qu'ils étaient des débutants, qui viennent de découvrir le jeu, et du coup, ça leur apprend pas mal de choses. Ok, let's go. Ok, pistolet de combat. On Come rappelle qu'on a que le pistolet de combat. on. Ah, ils sont là-bas. Là, ouais, du monde, hein. Ouais. Ah oui, c'est les balas en plus, hein. On peut récupérer des mitraillettes. On peut récupérer des mitraillettes, là, ça, sont les tue. Il y a moyen de récupérer des mitraillettes pour les prochains épisodes. Ça, c'est magnifique. Parce que je crois qu'il n'y avait pas avant. Hein. Ok, j'en ai eu plein. Ils sont tous morts presque. Il y a lui, il a encore en vie. Ok, alors attends. Non, il y en a encore plein. Il y en a Ah mais encore deux, je crois. faut pas trop avancer, hein. Ouais, bah c'est chaud. Il tire d'où lui? Il tire d'où la salle? Derrière les voitures. Ah là, c'est bon. Ok, attends. Ne ramasse pas la coke. Je vais la ramasser moi, mais. Alors, on a le gun là, la salle, viens voir. Ah, j'ai récupéré Ah oui, hop. 31$, plus 31$. On a ce gun là. Hop, on va le prendre aussi. Bon. Il y en a plein, hein. Voilà, il y a quoi d'autre Regarde. comme gun? Ah, il y a la K47, regarde. Eh oui. Hop, on prend. C'est quoi ça? Il y a la carabine, il y a la carabine. Carabine, Ouais, moi elle est j'ai à pris, nous. hein. Et il y a la K47, ok. Du coup, on a pas mal de choses à récupérer. On a même des gros 4x4. Bon, je pense qu'on va pas les récupérer. Il avait quoi lui ici? Prends le Hop, 4x4 ça violet. met des balles en plus. Ouais, il est stylé, hein. J'aime bien. Vas-y, prends-le.
On le met dans le garage ou... Parce que j'ai une place, je crois, dans mon garage, il me semble. Non mais déjà on va livrer et puis après tu le mettras. Ok. Eh bien écoutez, ce fut une mission accomplie assez facilement, j'ai envie de dire. Ça va, hein? 500 mètres. Ouais, 500 mètres. Donc du coup, bravo la salle. Et c'est vrai qu'on a récupéré du coup des grosses mitraillettes. Va falloir qu'on achète des munitions, je pense, aux émulations quand même, tu vois. Parce qu'on a... Bon, on n'a pas récupéré les chargeurs. Moi, j'aime bien les missions furtives. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, un peu comme on a fait dans S'évader de prison. Ok. Pour une fois que c'est toi qui livres la salle, vas-y, je te laisse aller livrer. C'est stylé quand même. Yo, mec. Tiens, Gérald. Voilà, le v'là Gérard. Pas mal. Bon, j'espère qu'il va bien nous payer. Il va pas nous payer 10 000. Hein. Donc, je rappelle juste les prix. 14 600 pour moi. Et la salle, 10 000. J'ai ramassé 31 $. Et ben encore Voilà, 10 000. Et ben, ça te fait 10 100. 20 200. Et moi, du coup, Ça ça me va. fait 26 000 et quelques. Ce qui est plutôt On pas mal. s'enrichit, on devient riche. C'est pas mal. Ça me fait 26 000 et quelques. Ça fait plaisir. Donc, du coup, la salle... Quel véhicule t'as envie de prendre, tu vois? Parce que c'est vrai qu'on a une place chacun dans notre garage. Bon, étant donné que toi, t'as pas ton véhicule encore, t'as pas récupéré, c'est compliqué. Mais on va voir ce qu'on a, ce qu'on peut avoir pour 26 000 $. Tu penses qu'on peut avoir des beaux trucs? Parce que c'est vrai qu'on Non. on sait pas. Bon, déjà en luxe, on peut rien avoir. Non. Bah Mais écoute. déjà, ce que je comprends pas, c'est que les vêtements coûtent plus cher que les véhicules. Ouais, c'est vrai ça. Alors, c'est vrai que c'est illogique. Je vais dans South La Salle, tu vas en même temps que moi, South San Andreas. Ouais, vas-y. Trié par prix, tu mets des croissants. Alors oui, aussi, il y avait un truc qui me disait les gens à La Salle, c'était est-ce qu'on peut prendre les véhicules à 0 $? Bah non, parce qu'en fait, on n'a pas le... Enfin, du coup, ça va pas dans la série. On peut pas acheter ça à 0 $. Sinon, c'est trop facile, quoi, on va dire. Alors, on a des Ouais, motos à normalement, ils 7 000. sont pas débloqués. On a le quad qu'on peut acheter, 8 000. On a la Akuma 9000. Ah ouais, on a pas mal de choses quand même. Hein. Le petit véhicule. On a le Rumpo. Ah, c'est pas mal pour les braquages, ça, le Rumpo. Moi, je pencherais pour une moto perso. La Batty, elle a 15 000. Oh, on peut acheter le buggy aussi, la salle. Dune buggy. 20 000 $. Mais non, je pense que je vais prendre la bâtie. Moi je peux aller jusque. Je peux aller jusque. Ah ouais, je peux même acheter la Dominator. Genre, tarif spécial, attends. Ah, je peux acheter la. Ah, je peux pas. Ah non, dommage, elle a 35 000. Moi, je prends la bâtie, hein. Tu prends la bâtie? Ouais. J'ai envie de prendre un quad, je sais pas si c'est bien ou pas, tu penses. Non, 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 non. Bâtie? Un quad, tu verras, c'est pas Oh, terrible. je peux acheter la limousine dans 5 000, là, dans 4 000, tu peux acheter la limousine. Mais tu vas faire quoi avec une limousine? Bah, je sais pas. Je me rappelle que j'avais acheté une limousine, moi, à l'époque. Bah, écoute, je vais me prendre une Batty aussi, je pense. Parce que bon. Je vais me prendre une Batty, mais je vais pas prendre la Batty. T'as pris laquelle, la 800, la RR ou t'as pris la normale? Ouais, RR. Je vais prendre la normale, moi. En jaune. Acheté. Alors, il s'appelle comment le garage là? C'est ça, je crois. Ouais. Ok, et bah, du coup, la batterie a été livrée, donc 15 000 en moins. Et toi, la salle, 15 000 aussi, c'est ça? C'est ça. Ok, du coup, il te reste plus que 5 000, hein, la salle, fais gaffe. Hein. Ah, j'ai reçu un message de Gérald qui dit beau boulot, petite frappe. Bon, du coup, on attend la livraison de la batterie et on se retrouve tout de suite. Moi, je vais aller dans mon garage tranquillement. Bah ouais, mais attends. Il te reste 5 000, 5 000 pour améliorer, ça va être chaud. Moi, il me reste combien? Il me reste à peu près 15, 20 000, je crois. Il me reste 20 000 là, ça. Waouh, les gars, quel plaisir d'avoir un deuxième véhicule dans son garage, ça fait plaisir. Bon, par contre, il n'y aura plus de place pour les autres véhicules. Hein. À part si on va revendre celui-là. Est-ce que tu penses que je vais revendre la coccinelle aussi? Je sais pas. Bah Bon, tu peux, hein. je vais la garder quand même un petit peu. Je vais la garder un petit peu, parce que tu sais, c'est quand même emblématique, c'est notre premier véhicule volé. Bah écoute, j'ai pris la bâtie, je vais voir si je peux custom des trucs dessus. Ah ouais, ça fait plaisir. Putain, je me rappelle qu'on avait acheté notre premier véhicule sur GTA. On était des hommes heureux.
Je vais aller où les customs. Allez, rendez-vous les customs, celle-là, je peux faire demi-tour. T'as pris la 800 RR, toi. I'm here. Ah, mais t'as rien amélioré dessus. T'as pas été au custom encore, la salle? Bah, non. Je suis pas pro, mais. Si, ça me fait plaisir, quoi. C'est notre premier véhicule avec de notre argent, quoi, tu vois. On est parti de rien, on a fait des braquages, des missions du jeu, du tout début, et puis. On a notre premier moto. Mais je me dis, mais imagine quand on va pouvoir vouloir acheter notre première Adder ou notre première. Ça va être compliqué, non, d'aller jusqu'à 1 million. Ça va être autre chose. Non, si on enchaîne les courses, non. Ouais, je pense. Ouf, j'ai failli me dégager. Ok, je rappelle qu'on n'a plus beaucoup d'argent. J'avais 24 000, il me semble. Et du coup, avec la moto que j'ai achetée, il reste à peu près 9 000 pour moi. Mais je vais voir si je peux mettre le moteur à niveau 4. Mais bon, je pense que ça va être compliqué, quoi. Parce qu'en soi, les customisations coûtent plus cher que le prix de la moto. Alors. Ah ouais, blindage 22 000. Moteur niveau 4, 6 000. Ok, je peux me prendre le moteur niveau 4. Je vais le faire. Voilà, hop, moteur niveau 4, 6 000. Éclairage, ça me servira à rien. Ouais, non, faire accès, donc je m'en fous. La peinture, je la laisse. Transmission. Turbo 22 000. Wow. Wow, le prix des roues. Oh là là. Mais, non, mais en fait, c'est quand tu te rends compte que t'as pas d'argent, que le GTA c'est trop cher en fait. Bah écoute, j'ai mis le moteur au niveau 4 là, ça. Je sais pas. Toi, je crois que t'as pas assez. Non, moi je touche pas. Ok. Alors attends, je crois que je vais envoyer. Il y a la salle qui m'a. Il y a un gars qui m'a contacté par mail. Et qui sait comment se faire de la thune.